Vous regardez RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour mon chéri. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Alors que l'hiver semble relâcher un peu son étreinte glaciale, c'est le moment pour les jardiniers de recommencer à planter. Écoutons les conseils du jardinier de Silence ça pousse, notre ami Stéphane Marie. Bonjour Stéphane Marie. Bonjour, bonjour. Ouh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il est moche ce studio, qu'il est moche. On voit que l'hiver est passé par là, hein. On va végétaliser. Volontiers Stéphane, qu'est-ce que vous nous proposez pour le rendre plus vert notre Alors d'abord on va planter des gros bulbes bien gonflés, tout autour. Allez, 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 les jardins, on bêche, on pioche, on bine, on ratelle, on retourne les mottes. Voilà. Et ensuite? Ensuite, sur la grande table d'Yves Calvi, on va planter des Duhamelis plantatus selectionis. Des Phogyellus diventis. Bien. Attention avec les Phogyellus diventis, si on s'approche, ça pique les yeux. Oula, on pleure tout de suite. D'accord, on y pensera. Et pour l'ambiance générale? Oh là là, on va mettre des lanternes et puis du paillage et puis du crottin. Ouh, du beau crottin, ah oui. Et des graines de Rupetta vulgaris qui vont tout éclore au printemps. Pop, on végétalise. D'accord, merci Stéphane, on a bien compris. On végétalise. D'accord. Et si nous allions au musée? Pour nous aider à choisir la plus belle des expositions, prenons conseil auprès d'un spécialiste de la culture contemporaine, Fabrice Lucchini. Bonjour Fabrice. Bonjour, la Jade, attends, me dis rien. Oui. Je parie que tu reçois encore ta cousine des Charentes à la capitale. Oui. Elle en a marre des trésors de l'Égypte, alors tu cherches une expo branchée. Oui. Un truc parisien hyper pointu pour les pâtés, une performance artistique exigeante qui dérange, comme on dit dans l'IB. Hein. Oui. C'est bien ça, la Jade. On ne peut rien vous cacher, Fabrice. Et donc, vous avez repéré une expo à nous recommander? Je t'emmène au musée d'art contemporain du Palais de Tokyo. Voir Abraham Poincheval, d'accord, un artiste marseillais qui va rester enfermé une semaine dans un bloc de pierre de 12 tonnes avec une bonbonne d'eau, des compotes et de la viande séchée. C'est original. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Il n'y a pas grand-chose à voir, Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à voir, je suppose, là. Et ben voilà, la Jade, elle est très feel good, hein. Oui. Hein, elle est très feel good. Ouais. Elle veut voir des trucs, mais c'est fait exprès, la Jade. S'il y a rien à voir, on n'est pas dans La La Land, hein. On est dans du très lourd, c'est le cas de le dire. Oui. On voit rien, mais on sait que l'artiste est dans le rocher. C'est terriblement dérangeant. Excusez-moi d'insister, Fabrice, mais comment sait-on qu'il y a quelqu'un dans ce gros rocher? Mais parce que, écoute bien, c'est authentique, je te lis la brochure. Pour signer la performance, un tuyau évacue les déjections. Ah oui, ça donne pas forcément envie de faire des selfies devant l'œuvre. Hein. Mais attends, c'est pas fini. Pour le même prix, tu peux voir la bouteille en verre dans laquelle Abraham Poincheval a navigué sur le Rhône pendant une semaine. Et la carcasse d'ours dans laquelle il a dormi pendant 13 jours. Oui. Et tu peux même revenir début mars avec ta cousine. D'accord, je voir dirais. L'artiste qui sera démoulé de son bloc de pierre et qui va couver des œufs jusqu'à la naissance des poussins. C'est énorme. C'est vrai, c'est énorme. Avec ça, crois-moi, la Jade, ta cousine n'est pas prête de revenir. Nous sommes en 1981 et dans cette nouvelle lettre inédite, François Mitterrand raconte à sa maîtresse les derniers événements de sa vie de futur président de la Ve République. Oh mon âne, oh ma Mona Lisa, oh ma divine idylle. Me voilà dans ma loge après mon débat avec Giscard. Cette année, il n'y avait pas Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. J'ai dû prendre une retraite bien méritée. Mais Michel Cotard et Jean Boissonnat. Ce Boissonnat, c'est un pinailleur. Toujours à vouloir vérifier les chiffres que j'ai inventés pour mon programme. Toi, tu as vu, mon âne, je ne suis pas laissé faire par le vieux. Quand il m'a demandé le cours du Marc, j'ai sorti les canines, j'ai battu des cils. Exactement et ça. Je lui ai répondu du tac au tac, je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas le président de la République ici. Vous êtes simplement mon contradicteur. Vous avez tendance à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Ah,
Il avait le menton qui tremblait. On aurait dit qu'il essayait d'avaler une patate. J'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Quelle rigolade! Et tu as remarqué le petit baratin sur la peine de mort? Je crois que c'était pas mal. Il faut dire que je devais bien ça au Badinter. Il garde souvent Mazarine pendant la campagne. Et il s'en voit beaucoup. Elle est tellement taquine. L'autre jour, ils l'ont emmené voir un spectacle féministe pour enfants avec Anne Sylvestre et Colette Mani. Pas ça. Pour se venger, elle a remplacé la crème de jour d'Elisabeth par un tube de cirage Baran. Tu l'aurais vu, la Badinter. Elle était aussi bronzée que Kofi Annan. Impayable. Enfin, ce débat, c'est une bonne chose de faite. Après mon élection, je compte voyager et compléter ma collection de chapeaux. Il faudra que j'en parle au protocole de l'Élysée. J'en veux à chaque déplacement. Oui. En plus, évidemment, du bob marron que tu m'as offert et qui ne me quittera pas. J'ai déjà repéré un sombrero mexicain, un chapeau de cow-boy du Texas. Et pourquoi pas une de ces toques africaines multicolores avec une boule au bout du ficelle. C'est rigolo, ça change un peu. Ah, vivement dimanche, qu'on en finisse et que j'ai le temps de lire enfin. J'ai une énorme pile de livres en retard. Au moins 4 brigades mondaines et les 3 derniers SAS. Je les ai cachés sous des piles d'éditions originales de Chardonne, Chateaubriand, Barès, Drieux, La Rochelle. Ça les épate toujours. Les éditions en vieille peau, ces gogos de journalistes. Surtout, ne me raconte pas la fin, mais il paraît que dans Guépier en Angola, le prince Malko se laisse séduire par l'espionne russe à gros seins qui avait voulu le défenestrer dans 3 veuves de Hong Kong. J'ai hâte de voir comment ça finit. Je te laisse, mon âne, avec cette pensée de Confucius, pleine de confiance et d'espérance. Un coup de barre, Mars. Et ça repart. Écoutez, rediffusion à 13h50 avec Christelle Robière et Stéphane Carpentier de RTL Midi et puis sur le site RTL.fr. Pendant ce temps-là, nos amis laitues sont arrivés dans nos studios. Vous savez qu'on les retrouve pour une émission spéciale dans Laissez-vous tenter dès 9h. Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, on va passer un excellent moment. A tout de suite pour l'essentiel de l'actualité.